À l'ouest, le soleil s'est couché. Il arrive à la... Je vois combien c'est là. Il n'est pas dit coucher, dit soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Psaume 81. Nous sommes 81, nous lisons la parole de Dieu. Chantez avec allégresse en Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin. Le harpe me dit, le lit, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre les pays d'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau. Ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des hommes de Meriba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisse m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des yeux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confronterai les ennemis. Je tournerai ma main contre les adversaires. Ce qui haïssait l'Éternel les flatterait, et le bonheur d'Israël dirait toujours, je les nourrirai du meilleur froment, et je rassasierai du miel du rocher. Amen. Écoutez, ô ciel, et tout ce que tu as
Combien Jésus-Christ est riche à bonté, au-dedans des hommes, au bétail des champs, au loup et les cailles. Oh, vraiment bon, notre Père et notre Dieu. Nous nous réjouissons de pouvoir réellement avoir un Père comme toi, un Seigneur, un Sauveur, un Dieu comme toi. Le Dieu que nous servons est vraiment merveilleux. Tu es vraiment riche en bonté, lent à la colère, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Tu prends plaisir à oublier nos offenses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que ton nom soit exalté encore ce soir, mon Sauveur béni, pour des moments que tu nous donnes, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Tu connais réellement aussi nos faiblesses, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu connais aussi, Père Tubissant, aussi nos égarements. Mais tu es le bon berger, Seigneur, pour nous ramener effectivement sur la voie juste, mon Sauveur béni, Père Dieu, pour nous conduire vers de verts pâturages. Sois béni encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour l'adoration, les chants et les cantiques, mon roi. Nous t'avons chanté, tu es descendu aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour les chants individuels qui ont été chantés en cet endroit. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Seigneur. Par-dessus tout, sois glorifié encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et remplis-nous encore davantage encore en ce jour. Merci aussi pour les psaumes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour la présence de chaque frère et chaque sœur en ces lieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et cela qui n'ont pas pu avoir l'occasion en cause des difficultés des transports aujourd'hui, qu'ils soient aussi bénis là où ils se trouvent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi aussi de ton peuple qui est aussi en connexion dans différents endroits. Nous te sommes vraiment reconnaissants, mon Seigneur Jésus, combien nous aimons être dans ta maison, Seigneur, et nous nous sentons tellement si bien, mon bien-aimé Père Tubissant, parce que tu as dit aussi que là où deux, trois sont assemblés à mon nom, nous nous réjouissons parce que tu es toujours présent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ta bonté, merci encore pour chaque cœur que tu touches encore davantage, mon roi. Nous aimons autant quand tu nous parles, quand tu touches encore nos cœurs, au travers des chants et des cantiques, des témoignages, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour tout ce que tu fais pour ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes vraiment heureux pour cela, Père. Béni soit ton Seigneur encore pour les délivrances, les guérisons que tu as opérées, que tu vas encore davantage opérer encore davantage, mon Seigneur, oh Dieu, pour les requêtes nous avons prié devant toi, Seigneur, nous te supplions. Nous savons que tu entends parce que derrière chaque requête, Père Tubissant, il y a des vies qui sont là, des frères et sœurs qui sont vraiment dans le besoin, mon bien-aimé Père Tubissant, Seigneur, qui ont foi. Et quand on prie, tu entends aussi, mon Seigneur. Oh, exauce nos prières, mon bien-aimé Père Saint. Nous te remercions pour ta bonté, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux de pouvoir vivre ce que Dieu fait. Et aussi de réaliser aussi sa bonté à notre endroit, dans des moments comme ceci où nous traversons et nous passons aussi ensemble. Quelle consolation de pouvoir savoir que le Seigneur notre Dieu nous a vraiment fait des promesses, et c'est à cela que nous nous accrochons en fait. Et si nous n'avions pas ses promesses, sa parole, nous ne saurions pas comment avancer. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne encore du courage à pouvoir réellement aussi avancer dans la marche, effectivement. Et nous le remercions vraiment. Il est un soutien pour nous. C'est un appui aussi. Comme aussi l'Écriture le dit aussi, que quand j'ai chancé l'eau éternelle, ta bonté à toi me sert d'appui. Parce que c'est écrit, alors je m'appuie là-dessus. Et je réalise combien j'ai tellement besoin du Seigneur chaque jour. Que notre Dieu vous bénisse et surtout qu'il vous donne aussi une très bonne santé. Qu'il bénisse aussi vos maisons. Que vous ne manquez de rien.
Est-ce qu'il a fait la promesse de si bénir aussi votre grenier et dans tous les domaines de votre vie, et qu'il prenne soin, que rien ne puisse arriver à pouvoir être au-dessus de vous, mais que vous soyez toujours au-dessus. Oui, parce qu'il vous a appelé à pouvoir vaincre toutes choses. Parce que lui-même, il nous l'a dit aussi. Nous le remercions pour cette grâce et ne perdez jamais courage. Peu importe ce que vous pouvez traverser en une journée ou même des jours avant, effectivement aussi, mais ne perdez jamais courage parce que nous avons un sauveur. Il est vivant. Il dit, puisqu'il vit, nous vivrons aussi. Et il veille vraiment, même si tu ne le vois pas, mais vraiment, il est toujours présent. Il veille vraiment sur chacun de nous, sur nos âmes, parce que nous prenons plaisir effectivement à ce qu'il rejouit aussi. C'est-à-dire que nous prenons plaisir à sa parole. Il a dit effectivement aussi, hein, puisque lui, il veille sur sa parole, il veillera aussi sur nous qui gardons cette parole et qui prenons plaisir à pouvoir la méditer ainsi. C'est une grâce énorme, effectivement, aussi, de pouvoir être tel que nous sommes et prendre plaisir à ce que le Dieu du ciel a eu à pouvoir aussi manifester comme désir pour nous, en fait. Parce que la volonté de Dieu n'est pas compatible, en fait, avec le monde. Je sais, nous allons lire dans les Saintes Écritures, dans le livre de Ésaïe, au chapitre 58. Oui, c'est ça, Ésaïe, chapitre 58, je pense que c'est ça, oui. Nous lirons à partir du verset 7. Ésaïe 58, verset 7, il nous dit: partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les joues et les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Roi, pour ce que tu es pour nous. Et tu aimes à pouvoir vraiment bénir, protéger et agir encore pour ton peuple, mon Roi. Seigneur, tous les bienfaits, tout ce qui est bien, c'est pour ton peuple, mon Sauveur. Nous te remercions parce que tu es vraiment le gardien de nos âmes. Et encore ce soir, tu as permis que nous puissions être dans ces lieux et où nous sommes rassemblés en ton nom pour pouvoir vraiment glorifier ce nom merveilleux que tu nous as donné de pouvoir avoir. Gloire à toi, merci pour ta parole, car je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons toujours eu, si c'était possible qu'on puisse un peu m'aider à ce ventilateur, soit te tourner un peu par là, ce serait... Merci beaucoup, mon précieux frère. Merci beaucoup. Nous pouvons toujours regarder, remarquer, en fait, le désir de notre Dieu, effectivement aussi, son cœur, comment il est porté aussi dans ce qu'il fait, et sa façon de pouvoir faire les choses, effectivement. Les Saintes Écritures nous font savoir, dans le livre de Pierre, je pense, au chapitre 3, il dit « La volonté de Dieu, c'est qu'aucun périsse. » Et si nous prenons aussi dans Timothée aussi, hein, il veut que tous les hommes parviennent à connaissance de la vérité, et qu'ils soient aussi, qu'ils soient tous sauvés, en fait. C'est-à-dire que
le désir profond de ce Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a aussi créé l'homme, effectivement, n'a jamais été de pouvoir détruire l'homme. Dans la vie de l'être humain, vous pouvez voir, nous pouvons l'observer aussi. Regardez ça, une fois je regardais, je disais, Seigneur, c'est quand même, c'est très difficile de pouvoir te saisir, mais tu es particulier. Vous connaissez, quand nous regardons dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament, comment Dieu traitait avec Israël, son peuple, effectivement. Aussi. Et lorsqu'il y avait un manquement sur ceci, voilà comment le Seigneur agissait, en fait, d'une certaine manière. Vous vous souvenez, regardez aussi, lorsqu'il était... Et ce qui est frappant, c'est cette douceur, cette façon tout à fait extraordinaire de la manière dont il s'exprime, en fait. Vous allez comprendre. Regardez, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et le peuple est sorti vraiment avec une bénédiction extraordinaire parce que le cœur des Égyptiens était vraiment touché pour qu'ils donnent à ce peuple les richesses. Ils sont sortis avec des richesses. Donc ils ont dépouillé en fait les Égyptiens en fait. Ils sont sortis en travers. C'est-à-dire que c'est Dieu le conduisit effectivement. Ils avaient quand même conscience. Avaient. Mais voilà qu'arrivé à ce moment-là, ce point-là, là que Dieu a demandé à Moïse qu'il monte sur la montagne effectivement, parce qu'il avait donc des paroles à donner à son peuple afin qu'ils aient cette relation, qu'ils connaissent effectivement ce que Dieu veut en fait. Et si nous regardons vraiment très bien, c'est que la parole que Dieu a donnée, donc le commandement que Dieu a donné, en tout cas, il n'y a rien qui soit difficile pour l'homme et qu'il n'y a rien qui serait effectivement quelque chose qui Dieu aurait dit de mauvais, en fait, qui devait conduire l'homme à pouvoir être dans des conditions, dit que Dieu n'est pas bon. Parce qu'il a dit simplement que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, ce qui est normal. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, il a fait alliance avec Israël, avec leur père, effectivement, vous savez, non? Il a dit à Abraham, que en sorte que je serai ton Dieu, et le Dieu de ta postérité après toi. Et puis, il dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Donc, toutes ces choses-là, mais c'est pour que nous puissions avoir une communion, nous vivons bien, en fait. C'est vrai, parce que, je donne un exemple, mais quand tu voles quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais en fait à Dieu de cette manière? Parce que Dieu est au ciel. Mais lorsque tu voles à quelqu'un, ou bien tu frappes, je m'en dis, tu frappes quelqu'un, ou tu mens, c'est-à-dire que tu fais du mal à ton prochain. Et si lui aussi, il te ment aussi, ou il te vole aussi, il fait du mal à toi. Donc Dieu est au-dessus. Vous ne touchez pas Dieu, mais vous vous touchez vous-même. Vous voyez la bonté et l'amour de Dieu pour l'homme en fait. Donc tout ce qu'il fait, c'était que pour que l'homme soit bien, que l'homme vive vraiment bien, qu'il se sente bien. C'est pour ça, vraiment, il y a vraiment de bonnes raisons pour pouvoir l'aimer, en fait. Parce que ses intentions, ses motivations n'ont jamais été, effectivement, mauvais à l'endroit de l'homme, effectivement, aussi. C'est parce que on nous ment, en fait. C'est Satan, ce sont les démons qui nous montrent, en fait, dans nos esprits, qui disent qu'effectivement, que ce que Dieu veut dire, effectivement, c'est pas bon pour toi. Alors que Dieu n'a pas d'intention de guerre ou de bataille pour, et pourquoi en ferait-il avec les gens, vous comprenez? Donc, s'il a créé. Et c'est pour ça que quand Moïse est monté, effectivement, Dieu voulait leur donner, effectivement, de loi qui leur permettait de pouvoir bien vivre. Et pendant que Moïse était là-bas, hein, il est resté, parce que c'est sa façon de Dieu le pouvoir. Il a fait attendre Moïse pendant 40 jours, 40 nuits. Et il savait pas cet homme qui devait être dans la présence. Il fallait qu'il soit sanctifié. Dieu sait ce qui se faisait. Mais en bas, le peuple n'était pas patient. Alors, c'était donc, il avait pensé, évolution, il veut, nous voulons, et ceci et cela, il est parti, il va plus revenir, alors que Dieu n'avait pas dit qu'il ne revenait pas. Mais Moïse, il était là, il savait pour quelle raison Dieu l'avait amené. Il savait que Dieu l'avait appelé, effectivement, aussi. Alors, le peuple est impatient, et puis, vous savez ce qu'ils ont fait. Et pendant qu'ils faisaient ça, ils ont fait l'abomination la plus totale. Parce que ils se sont fabriqués un veau d'or, ils ont commencé à faire des cérémonies, des journées, ils se sont commencé à pouvoir adorer même cela, vous connaissez cela, effectivement. Ils s'y sont donnés, ils ont dit, voici donc ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte.
C'est une abomination. Ça, c'est une blessure encore à l'endroit de la personne qui a fait autant d'efforts pour te faire sortir, qui t'a prouvé que c'est moi. C'était pas un taureau, c'était pas un veau. Est-ce que vous suivez? Et voilà ce qui se passe, que pendant que Moïse était là sur la montagne, Moïse était au courant de rien. Absolument rien. Mais Dieu savait ce qui se passait. Et pendant que Moïse était là, Dieu... Non, il est quand même extraordinaire. Il était calme et tranquille. Et il parlait à Moïse, il parlait à Moïse, effectivement, il lui a donné ce qu'il fallait donner, effectivement. Et à la fin, il lui dit, le peuple que tu as amené là-dedans, il s'est corrompu. Voilà qu'il s'est détourné. Donc pendant ce temps, il savait, mais il a eu à pouvoir parler avec calme et tranquille, et ainsi de suite, effectivement. Et Moïse, c'est Moïse, quand il est descendu, qu'il a vu l'état de la situation. Alors que cet homme a compris que j'étais dans la présence d'un Dieu tellement si merveilleux, si doux, qui a fait tellement de choses. Comment vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là? Et Moïse s'est mis donc en colère, effectivement, et comme vous savez, ce qui s'est passé aussi, effectivement, aussi. Et encore, effectivement, ce peuple qui marchait avec Dieu, toujours avec des ceci, des répétitions, effectivement, des murmures, des ceci, des cela. Bien que Dieu pardonnait, faisait passer, effectivement, qu'il cherchait à manger, et c'était en fait, tout le temps, il connaissait, effectivement, comme il dit, peuple au courant. Et puis, en certain moment, il dit, bon, maintenant, Moïse, écarte-toi, maintenant, je vais les détruire, effectivement, pour... commencer avec toi une nouvelle génération, effectivement, aussi. Vous allez remarquer une chose encore, c'est quoi? C'est Moïse qui s'est mis à genoux. Qui commence à pleurer devant Dieu. En fait, c'était Dieu qui est venu dans Moïse pour un... Non, il est bon, mon frère. Lui-même, cet amour divin qu'il a, effectivement, il s'est mis donc dans Moïse pour que... Parce que Moïse était un homme. Vous savez, il était colérique, mon frère, ma soeur. Vous pouvez aussi dire, Seigneur, détruis-les. Mais la bonté de Dieu s'est passée, effectivement, à changer dans l'homme pour qu'il devienne un miracle, pour intercéder maintenant. Pour l'homme, effectivement, sinon pour le peuple. Et cet amour de Dieu, effectivement, si. C'est ce que Dieu a toujours eu à pouvoir. Alors, vous voyez combien, comment, dans l'écriture que nous venons de pouvoir lire, effectivement, ici. C'est ce Dieu, en fait, qui montre en réalité à son peuple, voie et la manière par laquelle il peut vraiment obtenir de lui ce que le peuple demande, ce que l'homme désire. Il a même parlé de la guérison. Regardez, nous pouvons le relire, regardez très bien. Le chapitre 58, c'est cela où il dit. Ici, il dit, verset 7, il dit, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. » Vous allez remarquer que ce que le Seigneur nous dit ici, nous avons lu, est absolument contraire à ce que le monde dans lequel nous vivons attend d'un être humain. Oui. C'est-à-dire que tout est contraire à ce que l'homme naturel, vivant dans ce monde, peut arriver à pouvoir faire. Vous direz, oh, vous savez, il y a des gens là qui faisaient comme ceci. En fait, il n'y a aucun homme sans Dieu qui peut faire quelque chose à quelqu'un sans intérêt. L'homme dans ce monde, s'il te fait du bien, c'est qu'il y a toujours un intérêt. Il attendrait de toi quelque chose en retour. Bien sûr. Parce que c'est la nature de l'homme. Il attend toujours une récompense pour ce qu'il pose comme acte à ton endroit. Mais là, ce que Dieu demande à son peuple, c'est que un acte que vous posez sans vraiment attendre ou quelque part en disant, bon, non, sans vraiment attendre quelque chose, effectivement, en retour de la part de la personne pour qui tu l'as fait.
Vous savez, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 25, hein, je le répète toujours parce que vous le savez aussi, alors le Seigneur nous dit que quand il s'assiera, il mettra à droite donc le brebis, à sa gauche le bouc. Il dira à ceux qui seront à droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été donc déjà préparé significativement pour vous. Parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais nu, nous l'avons lu ici, vous m'avez donc vêtu. Alors le juge lui dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu et t'avons vêtu? Parce qu'ici nous avons lu, hein, partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de son sang, ton semblable. C'est ce que nous disons. Donc sans entendre en contrepartie quelque chose. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, mais Seigneur, juste, les justes, hein, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons vu être nu et nous t'avons donné donc, nous t'avons vêtu? Donc ces hommes-là, ces personnes-là, effectivement, ils le faisaient, ils posaient ces actes sans rien avoir comme arrière-pensée, ou attendre effectivement de retour quelque chose, c'est important vous qu'on entendez cela, quelque chose de la part de la personne pour qui ils ont posé cette tête-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans leur pensée, leur subconscient, ils avaient oublié. Parce que pour eux, c'était la chose juste et naturelle, effectivement, à pouvoir poser comme acte. Donc, ils ne trouvaient pas ça comme c'était une contrainte qu'il faut que je fasse là. Non. C'est important que nous le comprenions, frères et sœurs. Parce qu'être un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est même pas une chose qui est donnée à tout le monde. C'est important parce que si on l'est, il y a des choses, effectivement, qui se manifestent dans votre vie et d'une manière naturelle, sans même penser, vous posez les actes qui sont donc justes et conformes aux Saintes Écritures. Il dit, si tu vois un homme, il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voici les secrets, mon frère, c'est vrai. Parce qu'il dit, mais oui, là, il t'accompagnera. Puisqu'il n'est plus loin, il dit, mais l'Éternel sera ton guide à toi. Enfin, Dieu n'est pas compliqué, en fait. Il s'agit effectivement de pouvoir réaliser effectivement ce que Dieu est. C'est-à-dire qu'on pose un acte parce que c'est justement la chose juste à pouvoir faire. Tu ne chantes pas parce que il faut que je chante à l'assemblée. Si je ne chante pas, c'est un problème. Frère, ça ne sert à rien. Amen. Je ne vais pas aider les frères tels parce qu'il faut quand même qu'on voit que la soeur telle a fait ou les frères tels. Ça ne sert à rien. Amen. Je l'ai fait parce que ça fait partie de ma vie. Amen. Je l'ai fait parce qu'au-dedans de moi, je dois être comme ça. Je ne calcule même pas. Je ne vais pas pour que demain fasse, non. Je ne loge pas pour qu'un jour il me loge aussi, non. C'est normal, c'est que j'ai besoin, parce que c'est comme cela que Dieu veut. C'est dans moi que Dieu a placé cela. Bien sûr que oui. C'est tout à fait contraire au monde. Parce que le monde ne peut pas aimer ce que Dieu est. Oui. Il n'aimera pas Dieu. Il ne pourra pas aussi aimer, en fait, effectivement, ce qui appartient à Dieu. C'est pour ça que vous remarquerez, dans 2 Timothée, chapitre 3, il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, les hommes seront donc égoïstes. Ça, c'est la nature et l'esprit du monde. Parce
ce que Dieu veut que toi et moi, nous puissions bénéficier des 100% de ce dont nous avons besoin. C'est pour ça qu'on nous dit, fais donc de l'Éternel tes délices. Aime-le. C'est-à-dire, si tu l'aimes, tu aimes sa parole. C'est-à-dire, ça fait partie de ta vie. Et il te donnera ce que ton cœur, il ne va rien te refuser. C'est important que nous comprenions. Il ne va rien te refuser parce que tu l'aimes tellement que tu aimes ce qu'il veut. Il ne peut pas te refuser le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous lisons, regardez frères, continuons, puis nous allons vite sauter pour aller petit dans. Écoutez, il dit, alors, verset 8, il dit encore, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Vous entendez cela? C'est sa parole. Il va l'accomplir pour toi. Écoutez, continuons, il dit, ta justice à toi marchera devant toi. Même si les gens parlent du mal de toi, alors que toi, tu es, peu importe ce que les gens peuvent parler derrière toi, aussi longtemps que ton cœur est droit, le Seigneur fera manifester ta justice. Bien sûr. Tu n'as pas cherché à pouvoir beaucoup te justifier. Non, mon frère et ma soeur, toi, confie-toi simplement à l'Éternel. N'oubliez jamais psaume 37. Ne tride point contre celui qui réussit dans ses... Vous vous souvenez, non? Confie-toi à l'Éternel. Et puis nous continuons, il dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est ce que vous et moi nous aimons. C'est dit, Seigneur, sois avec nous. Tous les jours, dans chaque pas que nous faisons, oui. Et puis il continue en disant, écoutez bien, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. C'est ce que nous désirons tous, mon frère. Il nous montre la voie la plus simple, la plus vraie, la plus juste. C'est cela. Il dit, par cette voie, si tu es comme ça, je ne pourrai jamais être sourd à tes prières. Quand tu appelleras, je te répondrai. C'est pourquoi il dit, tu m'invoqueras. Lui, il m'invoquera. Vous vous souvenez? Psaume 91. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime. Parce qu'il aime aussi. Dit, il m'appellera, il m'invoquera. Je lui réponds. Vous vous souvenez? C'est la nature de Dieu, en fait. Savoir que toi, dans la position dans laquelle Dieu veut que tu sois, ne sois jamais double. Tu te perds toi-même. Tu te tues toi-même. N'aie pas un cœur qui est comme ça. Non. Fais toujours tes efforts pour que ton cœur soit toujours droit. Te regarde toujours droit. Quand une pensée contraire vient, Seigneur, ce n'est pas ma vie. Je veux aller de l'avant. Quand je vais donner quelque chose à quelqu'un, je sens que je cherche un intérêt. Seigneur, pardonne, délivre-moi cela. Je fais sans arrière. Oui, parce que quand tu le fais comme ça, mon frère et ma soeur, c'est la vérité 100%. En retour, il va vous redonner encore au-delà. Avec un cœur droit, quand vous posez un acte droit, il vous donnera encore au-delà de ce que vous... Nous continuons rapidement parce que toujours le temps. Alors il dit, tu crieras, verset 9 plus bas, hein, tu crieras et il dira, me voici. Il te donnera encore, il dit, mais si tu es loin du milieu de toi, les gestes menaçants, les discours injuriés, que de ta bouche ne sort rien de mauvais. C'est comme ça que Dieu il va utiliser ta bouche pour réconforter l'un comme l'autre et ceci et cela. Toi, ta langue à toi, c'est pour encourager. Quand quelqu'un est faible, pour le relever davantage. C'est ça que tu dois savoir. Jamais que par ta langue, par ta bouche, que quelqu'un soit découragé. Qu'elle soit blessée, quelqu'un puisse arriver pour nous. Ça peut arriver aux autres, mais pas à toi, en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on n'entende pas que oui, Sœur Jacobine ou Sœur Joséphine a parlé du mal de moi et qu'on trouve que vraiment tu as parlé du mal, ça ne doit pas être de toi.
ou frère Joseph, Jacob, j'en sais rien. C'est un exemple que je donne. Mais en fait, que quand on parle de toi, qu'on dise, ah, de lui, on n'entend rien. C'est comme cela que l'Éternel t'accompagnera et marchera avec toi. Parce que tu lui sers aussi des bouches. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est écrit comme ça. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu... Attends, nous continuons rapidement. Regardez très bien. Alors il dit, verset 10, « Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. » C'est-à-dire que lorsque quelqu'un... tu le vois qu'il est vraiment dans le besoin. Ne ferme jamais ton congélateur. Même s'il y avait seulement un petit poulet là, que tu dis, bon, ben, vous vous souvenez, je ne sais pas si avec qui je parlais ou j'ai rendu ces témoignages au téléphone. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, effectivement aussi. Alors je disais à personne, j'ai dit, oui, c'était un témoignage aussi par mon temps. Oui, je ne sais pas avec qui je parlais, mais bon, je lui faisais part avec la femme, la veuve de Sarepta, vous vous souvenez, je pense que c'était celle-là. Et cette dame ne savait pas très bien que le Seigneur la connaissait. Vous avez bien entendu, Sarepta, ce n'est pas en Israël. Hein. C'est en dehors d'Israël. Mais il avait la crainte, mais c'est dit. Même quand le Seigneur de Dieu est venu, il dit, mais il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Dieu n'a jamais envoyé son serviteur vers l'une d'eux, mais seulement à la femme, la veuve de Sarepta. Vous vous souvenez encore? C'est vers cette femme-là, cette veuve-là, que Élie est allé. La femme n'avait rien d'autre qu'un petit, une petite farine là pour faire les gâteaux, et puis pour que l'enfant de marge puisse mourir, effectivement, parce que c'était la période où il y avait la famine. Il ne savait pas. Et cette personne qui se tenait devant elle là, il lui dit, mais madame, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je ramasse du bois, effectivement, ainsi. Il lui dit, mais va, fais-moi un petit gâteau que je puisse manger. Parce qu'il ramassait le bois pour faire les gâteaux pour son fils, les petits gâteaux pour qu'elle et son enfant, parce que ce soit pour son enfant, puisse manger. Et puis après, si la mort allait venir, quand même, il a quand même fait quelque chose pour son enfant. Il y voit un monsieur qui vient, qui se tient là debout, il dit, il regarde bien, parce que le monsieur devait quand même avoir de la compassion. Il dit à la pauvre veuve que tu es en train de pouvoir préparer pour ton enfant. Bon, fais d'abord pour l'enfant, et puis bon, on va voir par après. Non, il dit, non. Ne fais pas pour cet enfant-là, moi ici, fais-moi un gâteau à moi. Viens me donner tout ce gâteau-là avec tout ce que tu veux manger. La réaction d'une personne normale serait quand même dit, mais quand même tu es vieux, tu devais quand même avoir pitié, c'est mon fils, mon petit enfant qui est là-bas. Toi et moi nous pouvons mourir, mais lui doit vivre. Et puis tu es là, tu es en train de me demander que moi je fasse un gâteau, que je vienne, que j'abandonne mon fils, je te donne toi. Je te dois toi à manger, effectivement. Mais la femme n'a pas réagi comme ça. Il est quand même rentré dans sa maison avec respect. Elle a fait son gâteau. Elle ne se rendait pas compte de ce que... Il faut bien dire qu'effectivement, quand Dieu a dit à Élie qu'il a préparé une femme, donc il a préparé une femme pour pouvoir la nourrir, et la femme n'était pas au courant. C'est pas que la femme avait été endormie, vous dites, Seigneur, elle m'a donné la vision qu'Élie va venir chez moi. Non. Non, pas du tout. C'est comme ça que vous êtes censé être, en fait. C'est, vous savez, regardez, c'est quand même extraordinaire. Toujours être un peu circonspect pour ne pas vous retenir longtemps. C'est la nature d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il y a quelque chose que Dieu a placé dans son cœur, dans son âme, parce qu'il est un fils et une fille de Dieu. C'est pour ça, vous, nous tous, nous devons nous examiner en fait dans les actes que nous sommes poussés à pouvoir poser à l'endroit de l'un comme de l'autre.
Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui est au-dedans de toi. Que toi, peut-être tu ne peux pas contrôler cela, tu n'arrives pas à pouvoir contrôler parce que ça te pousse à pouvoir vraiment, quand c'est quelque chose qui est en rapport avec le divin, oui, il y a un relâchement qui, c'est comme si tu te laisses aller sans réfléchir. Comme Abraham, par exemple. Dieu passait par Abraham, effectivement, et comme vous avez avec les anges, effectivement. Et Abraham ne pouvait pas dormir en disant, bon, j'ai rêvé que l'Éternel avec des anges vont venir. Non. Je sais pas, la Bible n'a pas dit ça. La Bible nous dit qu'il était assis là, en train de penser à autre chose, je ne sais pas, et puis il voit trois personnes, trois hommes qui voulaient passer. Son intérieur s'est lancé pour faire le bien qu'on entend. C'est-à-dire que lui-même avec un élan de cœur. Et la femme là aussi, parce que Dieu le connaissait dans son intérieur. Non, que Dieu soit béni. Il avait placé quelque chose pour qu'elle accomplisse la chose, pour qu'elle obtienne ce que Dieu voulait. Donc, si toi aussi tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, au-dedans de toi, Dieu a placé effectivement des choses qui font que quand il s'agit de pouvoir accomplir la parole de Dieu, ça ne sera jamais une obligation pour toi. Tout ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? Mais être semblable à son fils, n'est-ce pas vrai? C'est le fils là qui a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que ta volonté s'accomplisse. Et dès toujours, effectivement, il faut que l'Écriture soit accomplie. Et si nous avons été prédestinés à cela, ce que l'Écriture doit trouver aussi, son accomplissement en toi. C'est pour ça que nous aimons venir dans la maison du Seigneur sans contrainte parce que nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu es né pour cela. Et l'amour de la parole de Dieu est dans ton âme. Et tu aimes être là. Absente, ce n'est pas ta place. Présente, c'est ta place. Seigneur, je veux là où ta parole est portée. Je veux savoir ce que tu veux. En fait, tu ne calcules pas. C'est naturel chez toi. Mais en fait, c'est comme cela. Mais pour l'autre, c'est comme si on l'oblige à pouvoir être dans. C'est dur. Vous savez, on lui dit, ils étaient chaque jour assidus. Est-ce qu'ils avaient un prédicateur? Ils disaient, mais venez, il faut venir à l'assemblée. Non. Parce que il y avait quelque chose dans leur intérieur maintenant qui était placé là. C'était Dieu, c'était la parole de Dieu. Parce qu'on nous a dit que tous ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, ah oui, ils furent donc baptisés. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à son église tous ceux qui étaient donc sauvés, sauvés, sauvés. C'est-à-dire que ce n'était pas des comédiens, donc c'est-à-dire que quand ils recevaient la parole avec autant d'ampleur, comme on dit, mais leur cœur était vivement touché. C'est-à-dire quand on dit, c'est-à-dire que l'intérieur avait vraiment secoué, et ils avaient ressenti que non, ça c'est, ah non, ça c'est, il nous faut cela. Ô homme frère, que ferons-nous? C'est toujours ces cris de l'intérieur. À ce moment-là, Dieu place quelque chose au-dedans de toi. Ma sœur, ça peut monter. Ça peut... Tu ne vas pas expliquer comment tu tiens. Les gens vont dire, mais oui, mais pourquoi tu ne parles pas? Vous vous souvenez quand même, hein, si nous revenons un peu avec les 70, comme il a dit, mais les autres, l'influence est quand même si grand, effectivement. Pourquoi vous ne partez pas? Ils ont regardé, ils savaient bien, ils ont regardé parce que les 70 sont partis, puis ils regardent là, tous qui sont restés. Il dit, mais pourquoi? Allez-vous-en aussi. Et puis après, il leur a dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Il avait placé quelque chose dans ce cœur. Tout le monde peut partir. Mais toi, tu dis, mais pourquoi je ne pars pas? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose dedans de toi qui t'accroche à ce que tu accroches à Dieu, mon frère. C'est pourquoi il a toujours dit à pouvoir dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le monde ne peut pas t'aimer.
Parce que le monde n'attend pas de toi que tu agisses comme ça. C'est Dieu qui attend de toi que tu agisses comme ça. Le monde attend de toi que tu sois égoïste. Faut Pharaon, te dit que parlant toujours dit, des choses qui sortent de ta bouche, qui doivent blesser les gens, parce que bon, il m'a blessé, je dois aussi blesser, il m'a fait du mal, je dois aussi lui rendre du mal. Je ne veux pas le saluer parce qu'il ne me salue pas. Vous vous souvenez? Parce que ton père à toi, c'est lui qui t'a engendré maintenant là. Donc tu dépends. Oui. Maintenant tu as un père. Oui. C'est sûr et certain. Parce que tu es maintenant né de lui. Même si Dieu n'avait pas de père, mais maintenant tu es né d'un père. Donc, tu as un père maintenant qui est à toi. Parce que tu es né de lui, tu es de sa famille. Amen. Naturel, on est mis à côté, mais de sa famille, effectivement. Il t'est dit, toi, toi. Nous allons le lire avec vous. Hein. Dans Matthieu, ici, Matthieu, chapitre 5. Voilà. Puis nous allons prier quand même, parce que bon, j'aurais aimé. Voilà. Il dit quelque chose de merveilleux. Voilà. Mm-hmm. Voilà, il dit ici, merci, merci Seigneur. Voilà, verset, il dit, verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est comme ça que c'était dit. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est pas possible. Nous le lisons, c'est vrai, mais humainement parlant avec le monde, c'est pas possible. Vous vivez avec quelqu'un que vous travaillez avec. Quand il vous regarde, il vous méprise, il vous regarde de bas en haut, il vous montre que vous êtes un déchet pour lui, en fait. Et vous avez cette personne tous les jours. Il vous déteste. Et quand vous faites quelque chose, et c'est lui qui va vous critiquer auprès de votre patron dans le bureau, il parle toujours du mal de vous. Vous souffrez. Humainement parlant, Vous désirez que cette personne-là, qu'elle meure ou bien, que la personne en question soit licenciée. Soyons sincères. Soyons honnêtes, parce que quelqu'un qui vous crée les embûches tout le temps, vous vous réveillez, vous avez un voisin comme ça qui vous toussez un peu chez vous. Ah, vous faites trop de bruit. Que vos enfants crient comme ça. Ah, vous faites des enfants dans la main. Mais son chien ou lui-même là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que vous dites? En tout cas, que ce voisin puisse disparaître. Ah oui, parce qu'il vous dérange tout le temps. Il vous met toujours des problèmes, effectivement. Tout ce que vous faites, c'est toujours mauvais. Quand vous fermez votre porte, ah, vous faites toujours des bruits ce côté-là, effectivement. Mais lui, quand il ferme sa porte avec beaucoup de bruit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez, Seigneur, nous voulons qu'il disparaisse, qu'il change. Mais lui, il te dit maintenant, il faut l'aimer. Ta chair ne peut pas répondre à ça, c'est difficile. Alors, nous continuons rapidement, parce que nous allons dire. Il dit, oh pardon, voilà. Il dit, bénissez donc ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, il fait pleuvoir sur le juste et aussi sur les injustes. Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Réfléchissons un tout petit peu. Nous avons tendance, c'est vrai, à pouvoir aimer en grande majorité ceux qui nous aiment. Et ce qui, naturellement, c'est normal. Mais maintenant, on nous pose la question. Quelle récompense, c'est facile ici, hein? Quelle récompense méritez-vous? Si moi, je n'aime que ceux qui m'aiment, quelle récompense moi je mérite? Ça, c'est le Seigneur qui pose la question. Hein? Parce que c'est d'ailleurs lui qui récompense les gens. Alors il dit, mais toi qui n'aimes que ceux qui t'aiment, quelle récompense tu peux mériter? Et puis il nous dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même?
Or, les publicains sont condamnables. Parce que si tu agis effectivement comme les publicains, donc tu n'as rien fait de meilleur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est-à-dire que toi et moi, en tant que fils de Dieu, on doit dépasser les limites des hommes. Les barrières des hommes, on dépasse, en fait. Parce que la nature humaine place des barrières. Mais nous, on doit être au-dessus des barrières parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Quand le voisin me donne une casserole de moule, c'est que derrière, il y a un intérêt. Et quand moi, je fais une casserole de riz que je vais donner au voisin ou à la voisine, il ne doit pas y avoir d'intérêt derrière ma tête. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Et pour qu'il n'y ait pas intérêt dans ta tête ou dans ton subconscient, parce que tu es humain, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé dans ta vie. Il s'agit de la nouvelle naissance. Vous voyez que la nouvelle naissance n'est pas une théorie, je suis né de nouveau. Non, c'est vraiment une réalité. Tu es assis, tu es assise, tu es un être humain. Si aujourd'hui je t'ai dit quelque chose qui te blesse, effectivement, tu vas sortir ici en colère. Parce que tu as réagi charnellement. Mais si tu es né de nouveau, tu ne peux pas monter en colère contre moi qui t'ai dit quelque chose, effectivement, même si ça t'a blessé. C'est la différence, en fait, qui se manifeste. C'est-à-dire que les niveaux dans lesquels nous sommes, en fait, il y a la naissance de Dieu, la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Donc, spirituel. On est donc de l'esprit, en fait, comme dit maintenant. Donc, celui qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est-à-dire que nous devons être différents dans notre façon de pouvoir faire. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit autrefois, quand vous donnez un cadeau le jour d'anniversaire à quelqu'un, n'attendez pas que le jour de votre anniversaire aussi, qu'il vienne, même s'il a oublié, il ne faut pas se fâcher contre lui. Ça peut arriver qu'on oublie. Tu ne t'es pas souvenu de mon anniversaire. Pardonne-moi, ma soeur et mon frère, mais vous savez, j'avais tellement de situations que j'ai oublié, mais pardonne-moi. Il faut dire que faut pas. C'est un exemple que je donne. Donc, ne donnons pas pour attendre que ce jour-là, parce que on peut dire, ah, je pense pas, mais quand même, quelque part, c'est moi, tu attends que quand même on vienne faire quelque chose pour toi. Et quand tu es comme ça, c'est pas bon. Nous ne sommes pas des gens du monde. Vous permettez que je lise encore un peu? Regarde comment le Seigneur dit quelque chose de merveilleux, en fait. Pour montrer que quand nous sommes effectivement comme cela, le monde ne peut pas nous aimer. C'est la guerre, en fait. Et je termine vite ce que nous avons lu, hein, et chapitre 5, oui, voilà, verset 47 d'abord, dit. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il dit lui-même, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Donc on ne fait rien d'extraordinaire. Et puis il nous continue, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est. Alors la perfection, c'est de pouvoir faire les choses correctes. Donc, je fais ce que j'ai fait, et alors là, c'est de tout mon cœur, sans... Pourquoi est-ce que j'aime faire quelque chose pour quelqu'un? C'est parce que j'aime voir le bonheur de la personne. J'aime voir la joie de la personne. Je veux que la personne qui est en face de moi soit heureuse. Vous savez pourquoi vous aimez que la personne qui est en face de toi soit heureuse?
Mais c'est parce que vous avez la nature de votre Père Dieu qui veut que l'homme soit heureux. C'est pour ça que vous n'attendez pas un retour, effectivement. Vous le faites, effectivement, parce que vous aimez que la personne soit bien. Maintenant, l'acte que vous posez de tout votre cœur, ça marque un saut dans la personne. Vous voyez, quand nous sommes comme ça, nous n'avons point de rapport avec le monde. Le monde. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens, dans Jean, pardon, c'est ça, c'est Jean, chapitre 15, il nous dit quelque chose ici. Jean 15, il dit. Verset 10, il dit. Non, verset 9, pardon. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous m'entendez bien? Amen. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit aussi parfaite. C'est ici donc mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous entendez cela? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et votre fruit demeure. C'est ce que le Seigneur va. Donc, le fruit que Dieu nous a donné, voire porté, doit demeurer et demeurera en fait. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Vous connaissez le fruit en question. Si vous avez bien remarqué dans les scènes d'Écriture, si vous me permettez, dans Galates au chapitre 5, c'est cela aussi. Voilà. Remarquez très bien, Galates chapitre 5, le verset 22. Vous avez vos Bibles avec vous? Amen. Vous avez vos Bibles avec vous? Amen. Alors, regardez tous ensemble le verset 22. Regardez-les tous ensemble. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits au pluriel. Vous voyez cela? C'est pour ça que le Seigneur ici, hein, il nous dit dans sa parole, mais c'est important hein, que vous puissiez voir, c'est parce qu'il veut que nous puissions aller porter du fruit. Regardez très bien, je pense que ce que nous avons lu quelque part, mais enfin, non. Oui, voilà. Ce n'est pas que vous m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi en fait que vous alliez et que vous portez du fruit. Vous entendez cela, non? Et que vos fruits demeurent. C'est comme ça? Vous lisez quand même avec moi, non? Il n'a pas dit, il a dit, votre fruit demeure. Votre fruit demeure, pas que vos fruits. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Il a dit, votre fruit demeure. Et dans chapitre 5, verset 22, il dit, les fruits de l'esprit, pas les fruits. Donc, le fruit de l'esprit, eh bien, c'est l'amour. Vous suivez? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez cela? Donc tout ça, effectivement, ça doit être dans le Fils de Dieu et dans la fille de Dieu aussi en réalité. Donc cette chose-là est déjà est dans la personne. C'est pour ça que ça se manifeste justement naturellement, parce que c'est devenu votre nature en réalité. Alors nous terminons, nous continuons, il dit, voilà, et vous portez du fruit, que votre fruit demeure, en fait, que vous demanderez au Père en mon nom, je suis au verset 16, chapitre 15, hein, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Maintenant, écoutez, verset 18, il dit,
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, avec la nature que nous avons lue dans Ésaïe 58, ce n'est pas possible que le monde puisse vous aimer, en fait. Parce que vous faites quelque chose qui est contraire au monde, en fait. Et puis ici, il continue. Si vous étiez du monde, voyez-vous, il nous montre bien ce que nous sommes devenus. Parce que si nous sommes réellement du monde, alors nous manifesterons effectivement aussi, qu'est-ce qu'on manifesterait? Les œuvres de la chair. Comme cela, qui est donc contraire donc l'esprit. C'est pour ça, la médisance et tout cela, être double, toujours fanfaron et ceci et cela, vous êtes assis, mais vous avez donc effectivement aussi d'autres choses. Et ça, ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est la douceur, la tempérance, la bénignité, jamais l'arrogance, jamais du discours injurieux. Et quand vous sortez, vous l'avez touché un peu. Ça, c'est pas la chose qu'il faut, en fait. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Vous suivez cela? Alors il dit, si vous étiez, verset 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est la guerre effectivement aussi. Alors il dit ceci, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous déteste. Alors je termine par ceci. Dans Jean 17, il a prié en disant ceci. Nous le lisons ensemble, hein? Et puis comme ça, nous pouvons rentrer à la maison. Jean chapitre 17, il nous dit ceci. Nous pouvons lire ici, nous allons prier, et puis nous allons. Nous lisons, et puis nous allons prier ensemble. Il dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Vous entendez cela? Ils étaient à toi, vous y êtes? Jean 17, verset 6. Hein? Donc, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé. Vous avez la Bible? Ils ont gardé. Ils ont gardé. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as donc envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour... Vous comprenez? Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont donc à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Écoutez bien, verset 11, il dit, je ne suis plus dans... Et ils sont où c'est dans... Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme. Donc, afin qu'il soit un. Mon frère et ma soeur, c'est quelque chose de tellement si important. Je continue d'abord rapidement. Je dis, bon, on entend bien. Verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a... C'est ce que nous avons lu, hein? Il a dit, il ne peut pas vous aimer parce que vous n'êtes pas de ce monde. Et puis, il dit, le monde les a haïs. Pourquoi les a haïs? Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Vous voyez, mon frère et ma sœur, nous ne pouvons pas voir le caractère des gens de ce monde. Nous ne pouvons pas voir être comme des gens, parce qu'il y en a de ces, quand ils te donnent une tasse de café, ils comptent qu'ils t'avaient donné une tasse de café. Quand ils te donnent du pain ou une chemise et tout ça, ils comptent. Ça, c'est le monde, en fait. Il dit, ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Notre nature, notre façon de pouvoir faire les choses. C'est pour ça, quand on n'est pas né de nouveau, alors on est toujours charnel. Source de problèmes, de ceci et de cela, de ceci. Et dans une nature comme cela, je vais terminer, vous ne pouvez pas prétendre aller au ciel. Sinon, les païens sans Dieu iraient aussi, diraient que nous avons aussi le droit de pouvoir entrer au ciel. Parce qu'il dit, mais si vous saluez seulement vos frères,
ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Parce que les païens n'agissent-ils pas aussi de même? Donc si seulement par ce que tu fais, croyant que tu vas rentrer au ciel, alors les païens aussi ont le droit d'entrer. Alors, si les païens n'entrent pas, donc toi tu n'entres pas. Parce que tes actes, ce que tu fais est vraiment comme un païen. Une païenne. Je termine. Alors dit, verset 15, écoutez bien. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas non plus du monde. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important que nous puissions comprendre, que le Seigneur montre d'une manière assez claire que tous ceux qui sont à lui ne sont pas du monde. Que s'ils ne sont pas du monde, alors l'amour du monde ne peut pas être en eux. Est-ce que vous m'avez entendu? L'amour du monde ne peut pas être en vous. C'est-à-dire la mode, les copies de ce monde, ce que les femmes font dans le monde, comment ils se mettent, comment ils font ceci, comment on fait ceci, cela, patati, patata, effectivement, que tous ces désirs-là ne soient pas en vous. Le monde et sa convoitise. Mais toi, tu es appelé à pouvoir demeurer éternellement. C'est-à-dire que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, oui, c'est ce que l'Écriture dit effectivement dans Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père, précieux Sauveur, ce soir nous voulons encore te dire merci. Nous voulons te glorifier et t'exalter encore davantage, mon roi. Ce que tu veux de nous, ce que nous avons entendu, Père Saint-Dieu, et de pouvoir vraiment vivre, agir comme des fils et des filles de Dieu, et les actes que nous posons, mon bien-aimé Père Saint, nous puissions les faire avec vraiment l'amour de Dieu dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre subconscient, qu'il n'y a rien de malhonnête, Père Saint-Dieu, rien pour notre propre intérêt, Seigneur Jésus, que rien ne soit, Père Saint-Dieu, accompagné des pensées tout à fait négatives, Seigneur, que tu puisses nous aider, Père Saint-Dieu, que nous soyons aussi purs dans notre cœur, dans notre âme, dans notre pensée, dans notre subconscient, que, oh, comme tu l'as dit, Père Saint-Dieu, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous voyons combien le Saint-Esprit a eu à pouvoir utiliser tes serviteurs, mon roi, pour insister sur ce point dans un Jean au chapitre 1, chapitre 2, Père Saint-Dieu, et tes serviteurs l'ont répété. C'est un commandement, Père Saint-Dieu, que tu nous as donné, Père Saint-Dieu, qu'ils ont dit, et cela aussi, Père Saint-Dieu, et puis aussi Pierre, qui en Pâtissant, qui en chérit, en grand dit, mais aimez-vous ardemment les uns les autres, parce que vous avez été régénérés par une semence incorruptible, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour que nous puissions avoir un amour fraternel, vraiment sincère, mon sauveur. Nous comprenons, Père Saint-Dieu, que c'est cela que tu nous montres aussi pour que nous puissions avoir l'assurance que nous ne sommes pas de ce monde. Bien qu'étant dans ce monde, mon bénévole Père Tibissant, nous ne sommes pas de ce monde parce que tu as mis ton amour à ton compte, Père Saint-Dieu, tu es venu, tu as manifesté ton amour à notre endroit, bénévole Père Saint-Dieu, et c'est comme cela que tu veux que nous soyons, mon sauveur béni. Nous te remercions, Père Saint-Dieu, tu as donné ta vie, oh Dieu, enfin, que nous puissions avoir aussi la vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Protège mon frère et protège ma soeur, et dans notre vie de tous les jours, nous voulons vraiment, Père Dieu, chaque jour, à chaque instant, Seigneur, que nous puissions poser des actes comme toi tu veux de nous, Père Saint-Dieu. Nous avons ces désirs puissants dans notre cœur, mon roi, que le Saint-Esprit nous fasse vivre réellement ta parole en aimant, en posant pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ta maison, pour ton père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour tout ce qui te concerne, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous puissions pas de ceux-là qui calcule quoi que ce soit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ni les temps, ni l'argent, ni ce qu'on peut même donner, ni les offrandes, Père Dieu, même la nourriture qu'on peut apporter dans ta maison, de Seigneur, que nous puissions dans la libéralité, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et sans dire qu'effectivement que c'est notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, venir aussi en aide à un frère, à une soeur, Père Saint-Dieu, à avoir par un pas, Seigneur, que nous puissions participer à ce que toi tu attends de nous, Père Dieu. Souviens-toi de chacun de nos pères. Nous te remercions, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Raccompagne ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Dieu.
soutiens et bénis encore, mon roi. Bénis tous ceux qui sont en chemin et qui quittent leur pays pour venir ce dimanche parmi nous, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu vois l'attente et les désirs aussi de ton peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je te prie de pouvoir aider encore, bien-aimé Père Saint-Dieu, et disposer encore davantage le cœur, parce qu'ils ont des besoins, ils ont des désirs pour lesquels, Père Saint-Dieu, peuvent quitter leur pays. C'est ta main puissante qui doit agir aussi pour eux. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint-Dieu, demandant sa Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques. Dieu te bénisse. Glorifié à jamais. Quand nous avons quitté la maison, Seigneur, amen, nous sommes même venus dans ta maison, puisque nous avons même fait et soif de toi. Et tes amis, tu te demandes quoi, Seigneur, mon sauveur. Tu as même étanché notre soif. Nous te sommes reconnaissants, mon sauveur. Puisque tout le monde te demande quelle est ta volonté, mon sauveur. C'était agréable à toi, mon sauveur. Avant m'attendre à toi, mon sauveur, être comme je suis, comme nous le chantons toujours, mon sauveur. C'est vraiment ce sont des paroles que nous connaissons, mais quand nous tirons, mon sauveur, de notre vie, la nature de chacun doit être révélée, mon sauveur. L'esprit, là, témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, nous sommes des enfants de mon sauveur. Tu as marché dans ce monde, Seigneur. Et tu veux prolonger tes jours à travers mon frère, à travers ma soeur, Seigneur. Puisque tu as consenti à donner ta vie, mon sauveur béni. Et c'est ta vie à toi que nous voulons, mon sauveur béni. Merci. Merci, c'est que tout le monde, Seigneur, ce qui nous attend de mains, ses mains. Viens nous en aide, mon sauveur. Nous voulons, Seigneur, amen, être comme toi, des pupitres vivants. De l'être lu. Oui, quand tu marchais sur la terre, mon sauveur béni, et c'est la parole qui marchait. Les hommes ne les voyaient pas, mon sauveur. Mais ce qui est à toi, Seigneur, tu t'es révélé à eux. Et ce que tu fais encore aujourd'hui, Seigneur, avec nous, mon sauveur. Puisque tu es vraiment nous laisser dans les ténèbres, mon sauveur béni. Nous te sommes à reconnaître, mon sauveur béni. Justement, cette lumière. Nous écrire encore davantage, mon sauveur béni, alors que ce taux de Seigneur, mon sauveur béni, ta parole est une lampe à nos pieds, mon sauveur. Prisez-moi cette lampe, nous écrire, Seigneur, amen. Comme tu as dit, vous êtes la lumière du monde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Seigneur. C'est ta parole qui l'a dit, mon sauveur béni. À cause de ta grâce, taillez-nous, remodelle-nous, fasse-nous, Seigneur, amen. Nous voulons marcher à nouveau tête de vie, mon sauveur béni. Quel est ce qui est mort, qui va mourir, Seigneur, amen. Les choses passées ne seront plus, mon sauveur. Garde-nous sur le chemin, mon Dieu, mon roi. Bientôt, tu vas nous chercher, mon sauveur. À cause d'agace, que chacun de nous puisse nous préparer, Seigneur, amen. Que ce jour-là, Seigneur,
tu viens prendre de moi ton épouse à toi, Seigneur, l'épouse de qui nous sommes sauvés. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait, Seigneur. La perfection de la vérité de ce Seigneur, ce n'est pas l'homme. L'homme n'a pas de capacité, mais ton capacité ne vient de toi, Seigneur. Béni encore fait ton vase, que tes arrêtés ce soir, mon béni. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. C'est une bénédiction pour nous, mon béni. Et pour ton peuple, de pas de Seigneur. C'est un qui va les écrans, mon béni. Ils ont pardonné la voix d'un homme, mais ta voix à toi, Seigneur, amen. Comme ta parole dit, nous sommes tous enseignés de toi, mon béni. Enseigne-nous à comment marcher avec toi, mon béni. Béni mon frère, béni ma Seigneur. Tiens-t'en-t'en-t'en ta voix, mon béni. Garde le Seigneur, mon Seigneur, amen. Fais ton œuvre à toi, mon béni. Dans chaque qui de mon béni. Là, nous parfait, mon sauveur. C'est ma tirée, fais-la, mon béni. C'est ton œuvre à toi, mon béni. Sois loué, sois gouverné jamais. On nous qui paie. Nous t'avons ainsi prié et que fait mon béni. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Alors que nous arrivons à la fin du culte, il y a ma sœur Rosalie qui avait demandé de chanter un cantique. J'aime pas le cantique. Je veux juste le chanter et puis nous allons prier. Pour ses bontés dans ma vie. La chorale, s'il vous plaît, vers les mots, s'il vous plaît. Je me rappelle que nous avons chanté pour le jour d'anniversaire de notre pasteur. Je me chantais vraiment avec cœur de joie pour tout ce qu'il fait pour nous.